Aujourd'hui, du haut de ma planche, je vais rentrer un. Four foot full pack, double clutch, speed cell, diamond back, my twist, mountain bike, tight surf. Chers téléspectateurs, je suis Philippe Starnose, le roi de l'hypnose. Voici Martin. Il n'a jamais fait de basket de sa vie. Et pourtant, avec ma méthode, je vais en faire un grand champion. Martin, quand vous entendrez les mots slam dunk, vous réussirez tout ce que votre maître vous commandera. Slam dunk. Marquez un panier, les yeux fermés. Oui, maître. Waouh, oh, trop fort le gars. C'est ça que je dois faire pour être champion du world de skate. Francaille, tu crois vraiment n'importe quoi. Achetez mon best-seller Hypnotisium et vous aussi, vous apprendrez à hypnotiser. Choisissez une formule de commandement. Méga pizza margarita. Ma préférée. Francky, quand tu entendras les mots méga pizza margarita, tu réussiras tout ce que ton maître te commandera. Je vais leur montrer, moi, qui c'est le meilleur rider du monde à ces fast crabes en boîte. Hé, hey, les losers, vous voulez voir un green 360 à la Frankie Snow? Waouh, ben voyons, dans tes rêves, tu fais un 360, mon pote. Méga pizza margarita. Ouais, ça c'est de la ride. Mais oui, j'ai compris. C'est pas moi qui dois le dire, c'est vous. Hé, hey, Ben, dis-moi méga pizza margarita. Allez, vas-y. Méga pizza margarita. Ouais, c'est parti. Maintenant, vous allez voir ce que c'est qu'un pro de la ride. La vache, pourquoi ça marche pas? Quand quelqu'un dit méga pizza margarita, je devrais être sous hypnose. Ben la seule chose qui s'est produite depuis que je t'ai dit méga pizza margarita, c'est que je suis mort de soif et que je boirais bien un petit milkshake cactus fraise. Oui maître. Ouais, cool! Trop sympa, Francaille, t'as carrément été me le chercher! Je sais pas pourquoi je fais ça. Ah, c'est bête, j'aurais dû te demander de me rapporter un brownie au ketchup. Ouais, j'en avais trop envie. Eh, ça va, je suis pas ta bonne. Méga pizza margarita, va me chercher un brownie au ketchup. Pouichi! Bravo, Francky, trop mortel! T'as vraiment réussi à t'hypnotiser! C'est trop cool de ta part, Francky, de réparer tout ce qui est nage dans le skatepark! Hop! Tu m'étonnes! Surtout quand c'était à votre tour de le faire, bande de hyènes! J'en ai par-dessus le skate. C'est bon, je rentre chez moi maintenant. Faut que je me déshypnotise. Hein? Non, attends. On arrête, c'est promis, Francky. Ouais, on jure qu'on ne fera plus faire des trucs moisis. C'est vrai? Méga pizza margarita, je meurs d'envie de voir une belle gamelle à la Francky style. Oui, maître.
Non, bande de bouches d'égout. Mais ça va pas la tête, Franky? C'est vraiment pas sympa d'utiliser l'hypnose pour se moquer d'un copain, alors que vous auriez pu lui demander des trucs utiles pour sauver la planète. Sauvez les taureaux innocents, dites non à la corrida. Achou. Oh, y en a marre, y a jamais personne qui ramasse. Ah ouais, je suis bien d'accord, c'est vraiment dégueulasse. Moi, j'ai toujours mon petit sac pour ramasser derrière Dago. Sans blague, méga pizza Margarita. Si c'est pas vrai mon pote, tu vas tout ramasser jusqu'à chez moi. Ok, ok, on arrête, je sortirai plus sans mon petit sac, je te le jure. Faut que je me sorte de ce pétrin et vite, pour se libérer de l'emprise de l'hypnose. Ah, c'est ça, il y a deux solutions. Première solution, prendre une consultation chez Philippe Starnoz en personne pour la modique somme de... Quoi ? Waouh, quel vautour celui-là ! Ouais, ben pour moi, ce sera la solution 2. Pour me déshypnotiser, c'est pas compliqué, il suffit juste que mon maître du moment, le petit malin qui m'a dit méga pizza margarita, ben il suffit qu'il m'offre une méga pizza margarita. C'est simple comme bonjour. Ouais, simple comme bonjour. Alors quoi, qu'est-ce que vous attendez pour me déshypnotiser? Ben ça peut être dangereux, on n'est pas des experts nous. Ouais, c'est vrai, l'hypnose c'est hard. On voudrait pas te faire de mal, tu comprends? Oh, pfff. De rat puant. Zach, Franky a été super wishy avec nous aujourd'hui. Il a mérité une bonne pizza au feu de bois. Allez, en route. Hé, hey, j'ai pas besoin de menu. Vous avez déjà deviné ce que je prends, non? Bon, ok, Franky. Je veux bien t'offrir une pizza. Une calzone. Une méga pizza margarita, tu veux dire? Non, 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 tu en manges tout le temps trop souvent. C'est mauvais pour ton alimentation, tu comprends? Il te faut des légumes et moi, je te propose une pizza 4 saisons. Vous savez ce que vous êtes? Deux pauvres cloques. Franchement, j'aurais jamais cru ça de vous. On peut faire pire, tu sais, méga pizza margarita. Génial, Franky a décidé de payer l'addition. Ma vie est devenue un enfer, un film d'horreur. Oh, ici au moins c'est cool, je suis tranquille, on viendra pas m'embêter. Mon Franconet, dis donc, tu pourrais peut-être venir m'aider. Oh, non, pas aujourd'hui, mamie. Ok, non, tu vois là, je dois penser à plein de trucs importants. Oh, j'ai croisé ton ami Jules en faisant les courses ce matin. Méga pizza margarita. Je veux que tu ranges ton garage, que tu nettoies la salle de bain, que tu tondes la pelouse, fasses la poussière et que tu laves le chien. Je crois qu'il n'y a plus que Loulou maintenant qui pourrait venir à mon secours. C'est une fille bien, elle est pure, elle est super honnête, elle va m'aider. Allô, Loulou? Rejoins-moi devant le théâtre de la ville, Franky. Je suis au courant de tout. Oh, Loulou, merci beaucoup. Merci pour tout. Il n'y a que toi qui as bien voulu me sauver, tu sais. Je vais sauver ton honneur et je vais aussi t'annuler une dette. Hein? Depuis un an, tu me dois une dizaine d'invitations au cinéma. Alors ce soir, méga pizza Margarita. Tu vas m'inviter au théâtre pour te faire pardonner. Et en plus, tu vas adorer. Il joue une pièce magnifique tout en alexandrin. Hein? Quoi? Non, c'est même pas en français. Oui, maître. Oh rage, oh désespoir, oh vieillesse ennemie. N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Adieu, ville de Murène. Vous me reverrez plus jamais. Je m'en vais loin. Très loin, là où personne ne profitera de moi. Mamma mia. Non. Oh. Hey. Tu peux pas faire attention où tu rides, gros malin.
Tu viens de ruiner ma nouvelle fournée de méga pizza margarita. T'aurais pas voulu me faire un shampoing à la sauce tomate, toi, par hasard? Hein? Oui, maître. Ce type est complètement malade. Tire-toi. Hé, l'heure de la vengeance a sonné. Yahoo! Méga pizza margarita, mauvais tété a besoin d'être graissé. Oui, maître. Qu'est-ce que t'as fait, Francaille? J'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Je l'ai graissé, pièce par pièce. Non, Francky, méga pizza margarita, tu peux aller t'occuper de Carolina? Parce que Manon va pas tarder à arriver et si elle la voit, tu comprends, je risque d'avoir des problèmes. Oui, maître. Manon va arriver. Il faut pas que tu la vois. Hein? Ni elle, ni toutes les autres petites copines de Zach. Prends ça. Hey, mais c'est quoi ce plan-là, mon pote? Ben, je lui ai tout dit, Zach. Tout exactement ce que tu m'avais dit. Pourquoi? Tiens, Francky, je t'offre une méga pizza margarita. Oui, moi aussi, je ne veux plus jamais être ton maître. Merci, maître. Merci, mes maîtres. Libre! Je suis enfin libre! Désolé, les gars, mais il faut que j'y aille. Je me suis entraîné à l'hypnose sur les filles du cours de danse. Et elles embrassent tous les garçons qui portent un bavoir et une couche culotte. Et qui, avec ça, dansent le tango. Quoi? Trop cool! Ah, là, je sens que ça va être un grand moment. Dans la boîte, les gars. Je crois qu'il y a assez d'images pour vous coller la honte pendant au moins 100 000 ans.